C'est l'enthousiasme après la projection de Warico, le gros lot, un film du réalisateur ivoirien Kramo Lansini. Ça fait du baume au cœur parce que depuis un certain temps, on n'a plus vu de cinéma encore. Bon, donc avant, c'était le bon moment, les cinémas étaient là, on avait même hâte d'aller au cinéma les samedis, les vendredis, pendant les week-ends. Il y avait des exclusivités. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis l'avènement des TNT, des télédiffusions terrestres aujourd'hui, donc le cinéma est parti dans les oubliettes, quoi. Vraiment, si le cinéma revient de nos jours, ça va nous plaire quand même. Oui. Cette projection dans la commune d'Abobo s'inscrit dans le cadre de la caravane Cinéma pour tous, cinéma partout, initiée par l'association Écran Ambulant de Côte d'Ivoire, désormais membre du réseau Cinéma Numérique Ambulant Afrique. Yacouba Sangari, président de l'association, nous en donne des détails. L'objet de ce projet, c'est de rendre le cinéma accessible aux populations. Vous savez que dans nos pays, les salles n'existent quasiment plus. S'il y en a, c'est très peu. Mais surtout dans le cas de la Côte d'Ivoire, à part les 6 salles majestiques, il n'y a quasiment plus de salles dans le pays. Donc dans les quartiers populaires, les populations n'ont pas accès au cinéma. Et donc l'idée, et surtout aussi en milieu rural, l'idée de ce projet, c'est d'apporter le cinéma aux populations. Il y a une nouvelle génération quand même qui ne connaît pas le cinéma en Côte d'Ivoire. Donc c'est la génération des 18, 30, 35 ans. Qui ont grandi sans cinéma, ce n'est pas de leur faute parce que les salles étaient déjà fermées. Donc, c'est de leur apprendre à aimer le cinéma, à regarder des films, comme s'ils allaient au cinéma, leur donner le goût d'aller au cinéma. Ensuite, nous voulons faire la promotion des films africains. Nous estimons que les films africains sont faits, racontent des histoires de l'Afrique qui parlent aux Africains. Après le quartier populaire Gobelé dans la commune de Cocody, Abobo est la seconde étape de la caravane Cinéma pour tous au cinéma partout. Une série de projections de films africains qui se tient du 24 au 31 juillet 2021 dans les quartiers défavorisés de la ville d'Abidjan.